La presse burkinabé en conclave à Koudougou, l'Observatoire burkinabé des médias invite à la relecture de la charte des journalistes. Cette charte nouvelle, la vision, devrait être en phase avec les mutations de la société et surtout devrait permettre aux professionnels des médias de mieux travailler en période électorale. Jean Zongo et Eleonore Ouedraogo. Tous professionnels de médias, ils sont ici à Koudougou pour relire la charte de l'Association des journalistes du Burkina. Vieille de 25 ans, la charte est soumise à révision en vue de prendre en compte les changements de la société tout en respectant la liberté de presse et le droit à l'information et à la communication. L'objet de l'atelier, actualiser les repères éthiques et déontologiques pour montrer aux journalistes quelles sont les limites à ne pas franchir dans les compétitions électorales pour améliorer le professionnalisme de notre métier. L'OBEM ne fait que rappeler avec insistance qu'il y a des canons professionnels. Et tant que nous ne respecterons pas ces canons professionnels-là, nous ne serons jamais crédibles. La nouvelle version de la charte met en exergue les différences entre communication et information, les droits et devoirs des journalistes et prévoit aussi des sanctions. La charte, c'est un garde-fou et nous n'allons pas attendre que les gendarmes viennent nous faire connaître la loi dont nous anticipons par notre propre comportement. Avec les nouvelles lois de la presse votées il y a peu par le Conseil national de la transition et la relecture de la charte des journalistes, ce sont des documents de référence qui devraient permettre aux hommes de médias de respecter l'éthique et la déontologie en matière de journalisme.